Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, mélange improbable, on va parler de Gaston Lagaffe et de Jacob Bernoulli dans cet exercice. Donc, je te laisse mettre sur pause, bien travailler la consigne. Je mets également raccourci le format court qui parle de loi binomiale et puis on se retrouve dans quelques instants. Allez, c'est parti. Donc, dans cet exercice, on vous dit que quand il joue à son bilboquet, Gaston arrive à planter la boule sur son socle avec une proba de 0,78. Quelle hypothèse doit-on faire pour pouvoir assimiler la répétition de trois lancers de bilboquet à un schéma de Bernoulli? Qu'est-ce qu'un schéma de Bernoulli? Commençons par une épreuve de Bernoulli. On est en présence d'une épreuve de Bernoulli lorsque l'expérience aléatoire qui nous occupe n'a que deux issues. Ici, c'est bien le cas, on a un succès qu'on va appeler S. Le bilboquet est OK. La boule est sur le bilboquet, la proba P0,78 et un échec qu'on va écrire S bar. Dans ce cas-là, eh ben, le bilboquet n'est pas OK. Deux probas, un moins P, c'est-à-dire ici 0,22. Donc pour l'épreuve de Bernoulli, pas de souci. On part sur un schéma de Bernoulli lorsqu'il y a répétition de cette épreuve. Donc ici, 3, 3 fois. Donc le petit n vaudra 3, le paramètre n. Mais il faut que cette répétition se fasse de manière identique et indépendante. Ça suppose quoi pour s'élancer plutôt? Eh bien, ça suppose que lorsque Gaston lance son bilboquet, ça n'a pas d'influence sur le lancer suivant. Et le lancer précédent n'a pas d'impact sur la réussite ou l'échec de son présent lancer. On peut partir en tout cas sur cette hypothèse pour parler de schéma de Bernoulli. Et donc, on va représenter ce schéma grâce à un arbre. Donc si je commence par tracer deux branches S et S bar avec la pondération 0,78 et 0,22 sur la deuxième, là j'ai représenté mon épreuve de Bernoulli. Pour passer au schéma de Bernoulli, il faut que je répète ce petit branchage eh bien, trois fois vu qu'il y a trois lancers. Voilà ce que ça peut donner. Un conseil pratique quand vous avez dessiné ce genre d'arbre, partez de la fin. Vous savez qu'on va avoir 2 fois 2 fois 2, 2 puissance 3 possibilités, donc 8 branches. Partez des 8 branches et à rebours. Vous remontez jusqu'à l'origine, c'est plus simple pour avoir un arbre propre. Donc voilà cet arbre. Et on va s'intéresser donc en dernière question à la probabilité que Gaston plante exactement une fois la boule sur son socle et au moins deux fois. Donc dans cet arbre, vous pouvez trouver les branches qui vont nous intéresser. Par exemple, pour un seul lancer, soit ce lancer réussi arrive en premier, donc on va avoir un schéma du type S, S bar, S bar, soit en deuxième, S bar, S, S bar, soit en troisième. S bar, S bar, S. Donc a priori, trois branches nous intéressent. Mais vous le savez, tout ça, on va le retrouver dans la formule qui permet de trouver un succès dans le cas qui nous occupe. Mais avant ça, il faut qu'on parle quand même de variables aléatoires. Donc on va poser, par exemple, X, la variable aléatoire qui va compter le nombre de succès, S. Et donc, ce nombre de succès, il s'échelonne entre 0, 1, 2 ou 3. Et donc ici, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la probabilité pour que X soit égal à 1, exactement. Et pour ça, on va utiliser la formule. Donc au départ, 1 parmi 3, combinaison, multiplié par la proba du succès, 0,78 puissance 1, vu qu'on en veut un seul, multiplié par 0,22, la proba de l'échec, puissance, eh bien, ce qui reste. S'il y a un succès, il y a deux échecs. Donc ça, c'est à écrire. Et on va passer sur calculatrice, sur TI et sur NumWorks pour avoir le détail de ce calcul qui, je spoil, donne 0,113 256. Voilà. On commence sur NumWorks et on bascule bien directement dans Calcul, juste pour vous reparler de la boîte à outils dans laquelle vous trouvez dénombrement binomial. Et donc, on va s'occuper de notre coef binomial, 1 parmi 3. C'est du cours, hein. 1 parmi n, et bien ça donne n. Donc ici, 3. On retrouve nos trois branches multipliées par 0,78 multiplié par 0,22 puissance 2. Donc le résultat s'affiche ici. On peut également basculer sur le mode probabilité binomial. N ici vaut 3, P 0,78. Et on arrive sur ce genre de choses. Ici, on va chercher la proba pour que x soit égal à quelque chose. Donc on se dirige sur la quatrième commande. On a bien le égal qui apparaît. On met tout simplement 1 et le résultat apparaît immédiatement. Donc pour NumWorks, c'est fait. Sur TI. Sur TI, on bascule sur le menu Distrib, donc en bleu, Distribution, et on descend. On descend jusqu'à
La touche A, binôme FDP, c'est ce qui permet de calculer la proba pour que x soit égal exactement à une valeur. Donc le nombre d'essais, c'est évidemment 3, la proba 0,78, la valeur de x, ici x vaut 1. On colle et on obtient notre valeur également. Voilà pour cette première question. Question 3B. On s'intéresse ici à la probabilité que Gaston plante au moins 2 fois la boule sur le socle. Donc ici, x va valoir 2 ou alors 3. Donc ici, on cherche p de x supérieur ou égal à 2. Donc plusieurs façons d'aborder la rédaction de cette question. On peut très bien partir sur p de x égale 2 plus p de x égale 3 et mettre le détail de calcul comme précédemment. On peut aussi directement mettre la réponse puisque NumWorks vous permet de trouver ce résultat. On en reparle dans quelques instants. En revanche, sur TI, on va être obligé de basculer sur autre chose puisque la commande x supérieur ou égal à n'existe pas. Celle qui existe, c'est inférieur ou égal à. Et donc, on regarde x supérieur ou égal à 2. On a dit qu'on était concerné par les valeurs x égale 2 et x égale 3. A contrario, si on regarde le complémentaire, les valeurs qui ne nous intéressent pas, ce sont les valeurs 0 ou 1. On va écrire donc ceci, 1 moins p de x inférieur ou égal à, eh bien 1 justement. Et donc la réponse c'est 0,876096. Basculons sur calculatrice pour nous assurer de la véracité de ce résultat. Sur NumWorks directement donc, j'étais resté sur p de x égale 1. Je remonte pour obtenir une courbe qui balaie une surface qui soit après, donc pour avoir x supérieur ou égal à. Je mets 2 et j'obtiens mon résultat. Donc sur NumWorks, c'est vraiment plutôt très très simple grâce à la possibilité de choix de la zone qui va nous intéresser. Sur TI, c'est un tout petit peu plus laborieux, mais on s'en sort quand même. Je reviens sur le menu Distrib. Et cette fois-ci, je descends sur la touche B, binôme FREP, qui permet d'avoir la commande inférieur ou égal à. Donc, nombre d'essais toujours 3, P 0,78 et valeur de X, cette fois-ci, c'est donc 1. On copie-colle ceci, on obtient un résultat, mais attention, ce qui nous intéresse, nous, c'est 1 moins ce résultat, hein, comme je l'ai écrit précédemment sur la feuille. Et on retrouve bien notre valeur. Voilà pour cet exercice plutôt complet, même s'il manque des choses à propos de ce thème. Loi binomiale, je pense en particulier à l'espérance, mais on en rediscutera dans d'autres vidéos. J'espère que tout aura été très clair pour vous. Si c'est le cas, c'est parfait. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce qui va bien, à partager la vidéo. Vous connaissez la chanson par cœur, mais c'est important. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut !